Est-ce que ça veut dire que le studio est à louer? Je comprends pas trop. Nicolas, si vous ne vendez plus et que vous ne louez pas le bâtiment, nous devons déménager et le studio ne peut pas se le permettre. On court le risque de fermer. Je le sais. C'est justement pour ça que j'ai pris cette décision. Non, c'est pas possible. Attends, mais je le comprends parfaitement. Je suis passé exactement par où vous passez. Je ne comprenais pas, Violetta. Herman, désolé, mais je ne tiens pas à en parler. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ce bâtiment, je le garde. Il est à moi. Il n'est pas à vendre et il n'est pas à louer. Bonne soirée. Du calme, Violetta. Ça ne sert à rien. Il faut rester calme. Mais c'est juste parce que son fils lui a menti qu'il fait ça, je comprends. Ce n'est pas le bon moment pour lui parler. Il ne t'entendra pas. On fait quoi, alors, papa? On se calme. On va trouver une solution. Je te le promets, on réussira à trouver une solution, d'accord? Oh, c'est gentil, ma chérie, je te remercie. On va enfin réaliser tout ce que je veux. Tout ce qu'on veut. Non, c'est vrai, je veux ce qu'il y a de mieux pour nous deux. Maman, j'aimerais te refaire confiance, mais en t'entendant, je ne peux pas. Oh, Ludmilla, Ludmilla. Le mieux est que tu n'essayes pas de me revoir. Oh, je t'en supplie, ma chérie, ne me condamne pas pour ça. Je me suis trompée, je ne voulais pas dire ça, je t'assure. Je veux ce qu'il y a de mieux pour nous deux. Oh, s'il te plaît, réfléchis-y. Ludmilla, je veux être avec toi. Qu'on soit heureuses ensemble, d'accord? Prends ton temps. Et pense-y, je t'attendrai. D'accord? C'est une scène fondamentale dans le film que je réalise. C'est là qu'il y a une rupture dans la caractérisation du personnage, oui. Et cette rupture ne peut être exprimée que par un seul moyen. Un seul. Elle doit se manifester par les larmes. Des larmes sincères que la commet. C'est magnifique, c'est parfait. Camilla, c'est exactement ce que je recherchais, ce même regard. En fait, j'étais en train... Avant que vous arriviez, je répétais la scène avec Francesca et... Quand je vous ai entendu parler, j'ai décidé d'interpréter ce que vous cherchiez pour le personnage. Ah, je suis... complètement ébloui par ce que je vois. Ah. Oh, je te félicite. Bravo, sincèrement, et je veux dire que tu n'as pas à faire d'essai parce que le rôle est pour toi. C'est vrai? Ah, merci beaucoup. Je vais te faire envoyer le script tout de suite. Bon, je te laisse. Salut. Au revoir. À très vite. Oh, Camilla, t'es géniale! Non, Francesca, je suis loin d'être géniale. Tu as réussi. J'ai rien réussi. Si je pleurais, c'est parce que je l'ai entendu dire que je risquais de pas avoir le rôle. Je sais pas pleurer. Je peux pas jouer ça. Moi, je sais que tu vas y arriver. Non, je vais pas y arriver. Je dois trouver un moyen parce que je veux ce rôle.